Bonsoir Roland, alors un nul satisfaisant ce soir contre Jura Sud? Oui, satisfaisant au niveau de comptable, parce qu'on a fait un résultat face à une équipe qui était en pleine forme et qui a réussi à battre Villefranche-sur-Bresse, c'est un bon résultat. Maintenant, sur la physionomie du match et surtout sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on peut l'emporter, mais nous, on a montré ce soir un beau visage et une belle réaction en perdant 1-0 et surtout, on a fait une deuxième mi-temps très intéressante. Il y a des enseignements à tirer, un groupe qui a été un peu changé, un peu chamboulé pour ce match? Oui, des enseignements, oui, mais c'est pas une surprise. Je savais qu'on avait un groupe avec de beaucoup de joueurs de qualité et je suis pas surpris de la réaction des joueurs qui ont joué ce soir. Et j'avais confiance en eux, ils l'ont prouvé sur l'ensemble du match et surtout sur la deuxième mi-temps. Et on va maintenant enchaîner avec trois matchs à la maison, l'occasion de retrouver le public Pono. Qu'est-ce qu'il va falloir viser pour ces trois prochains matchs? Trois victoires? Je pense déjà de se rattraper de la dernière image qu'on a montrée contre Chasselet, qui est, je pense, pas l'image de l'équipe et l'image qu'on veut montrer du maillot du club. Donc on sera très revanchard sur ces trois matchs et j'espère qu'on mettra les mêmes ingrédients qu'on a mis sur ce match où là on avait une équipe avec du caractère et avec la volonté de gagner. Ok, merci Roland, bon retour. Merci.